Bonjour, ici Jean-Dominique Leduc et bienvenue à un nouvel épisode de Vous avez dit BD, un balado qui se consacre entièrement au 9e art, donc à la bande dessinée. Merci beaucoup d'être des nôtres, de nous écouter, que ce soit euh, dans les transports en commun, en voiture, chez vous, ça, ça vous regarde. Mais merci beaucoup d'être à l'écoute, c'est toujours très apprécié de se savoir écouter. Et comme à mon habitude, à chaque enregistrement, je. Je reçois toujours un invité de marque. <laughs> Et euh, cet épisode ne fait pas exception, puisque je reçois aujourd'hui Francis Dernay. Francis, salut. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Quelle euh... intro. <rire> <rire> bon, je... écoute, tu es, es un invité de marque. Euh, tu es euh, donc euh, un jeune auteur, mais de moins en moins, je dirais, un jeune auteur quand ouais. même. C'est tu, sais -tu qu ce qui m'est arrivé cette semaine? Non. J'ai été invité à CKRL à Québec participait à une émission où il jumelait un auteur euh, établi et un jeune auteur et je n'étais pas le jeune auteur. Tu vois? Alors que... <laughs> euh, je sais pas quoi en déduire. <laughs> Parce que quand même, euh, Francis, euh, tu as débuté donc euh, ta carrière d'auteur de bande dessinée en 2008, donc ça fait 10 ans déjà. Ouais, officiellement. Euh, officiellement. Euh, 12 albums en 10 ans. Quand même. Hein? Oui, on ne parle repense... plus d'un jeune auteur. Hein? <laughs> Est-ce que ça donne... Est-ce que ça donne le vertige de repenser à ça avec euh, peut-être un pied de recul? Ben, euh, un peu oui, surtout considérant que, que j'avais un peu décidé de, de laisser tomber la bande dessinée quand j'étais à la fin du, du secondaire. Euh, que moi, j'ai appris à faire la bande dessinée au secondaire. Puis, euh, quand il est arrivé le temps de choisir une voie professionnelle, il y avait, je ne voyais pas vraiment de débouchés pour la bande dessinée, euh, je m'étais dit, bon, ben, garde. Tout bas, hein? on, on va aller vers autre chose. Je suis allé vers le graphisme. Puis j'avais vraiment mis ça de côté. Puis C'est en, en 2003-2004, quand j'ai commencé à travailler sur Burkett, que euh, l'envie m'a vraiment repris puis, a, puis qui a fait en sorte que bon, j'ai réussi à travailler sur un projet sur Burkett. Puis euh, qu'en 2008, j'ai sorti. Donc, puis moi-même, Burkett, c'était genre. Bon, je vais en faire au moins une dans ma vie, puis je pourrais dire que j'ai fait une bande dessinée. Ah oui, donc, mais tu as commencé à travailler à Burkett, sur, sur Burkett, c'est intéressant, c'est en 2004. Euh, oui, parce que j'étais en France à l'époque. J'étais plus en. Je travaillais pour l'ONF. Euh, J'avais déjà réalisé le film Rumeur à l'époque. Puis euh, l'ONF m'avait envoyé à Paris, en France, pour être euh, assistant à l'animation de Florence Miaille, qui est une réalisatrice assez établie là-bas. Mm -hmm. euh, puis, euh, bon, je, je, je faisais du After effect je faisais de, de, plus du, de l'animation euh, par, par ordinateur, on va dire. Alors qu'elle, elle, elle travaillait sur euh, euh, peinture sur verre et puis euh, du sable avec du sable, tout ça. Mais elle voulait euh, incorporer une, 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 une portion numérique dans, dans son œuvre, dans son prochain film. Euh, fait que moi, j'étais à Paris pendant un an. Puis 2004, c'était, euh, il y avait un gros débat en France sur la place des signes religieux à l'école. Ouais. Fait que euh, première première fois moi que j'étais un peu confronté à ce, ce débat-là. Donc là, un le... peu en avance par rapport au Québec. Ouais c'est années, ça. Années, ouais. C'est ça. Puis euh, quand je suis rentré, ben là ça ça commençait à battre son plein ici aussi puis euh, c'est toujours pas terminé. <laughs> non, c'est ça qui est fou. Hein. D'ailleurs, euh, Burkett, c'est l'histoire d'un timing quand même assez extraordinaire, puisque la parution, la publication du premier album aux éditions 400 coups, euh, là, on est en pleine crise au Québec, là. Et... Oui, Ben euh, un mois plus tard, c'était le, le, le dépôt du, euh, des commissaires Bouchard et Taylor. <laughs> fait que, euh, j ai, j ai... Moi, j à un moment donné, j'avais peur. Je me disais, hey, là, je vais-tu manquer? Je vais-tu manquer le... le... Le, le train où je vais-tu sais Je suis ah tu arrivé trop tard, mais considérant qu'on en parle encore. Euh, <laughs> L'histoire te prouver le contraire, oui, finalement. Ça, tu sais. Oui, bien surtout avec l'élection euh, toute neuve euh, donc, euh, qui a élu les, les Caquistes au pouvoir, on, on replonge euh, Ah, oui, oui. Mais totalement. Euh, C'est déprimant. <laughs> C'est fou, hein? Et donc, ouais. Burkett dit peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que bon, Burkett. Ça a été une entrée assez forte. Là, ton ouais. entrée dans le 9e art, ça a été fracassant. Là. Quand même. Donc, c'était des vignettes humoristiques. Des strips, des, des strips, vignettes. donc, euh, qui racontaient l'histoire de cette jeune fille-là. Oui. Euh, ben, tu peux peut-être nous résumer un peu. Euh, l'histoire, ben, c'est ça. En fait, c'est l'histoire de d'Albert, qui est une jeune adolescente d'environ 14 ans. Euh, qui a un père qui est un espèce d'intellectuel, mais intellectuel raté, qui n'a pas réussi à percer, qui n'a pas eu la, 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 la gloire qu'il aurait aimé avoir, et qui transfère beaucoup sur, ce, sur sa fille. Puis, euh, mais sa fille, il trouve qu'elle est beaucoup trop superficielle, euh, alors qu'elle vit sa vie de jeune, de jeune fille, euh, tout simplement. Et pour un, un peu lui, lui élever la conscience et puis lui montrer d'autres choses dans la vie, il lui impose la burqa pendant un an. Euh, donc, ça, chaque fois que je dis le pitch, je me dis, mon Dieu, mais quelle histoire épouvantable. <laughs> Puis, là, je, je rajoute après, bien, je dis de même, c'est terrible, oui. là, mais euh, c'est traité avec, euh, avec un certain humour. Oui. Puis, ce n'est pas, pas un, un pamphlet anti-islam, c'est plus sur la, la notion de, de, de choc des cultures. Euh, moi, c'est comme ça que je, que je le pensais. Euh, donc, je prends mon petit personnage avec sa petite burqa et je la mets dans différentes situations et je regarde un peu. Bon, ben, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Qui est-ce qui, qui comprend pas du tout ce qui, ce, qui, ce qui lui arrive à Albert? Il y en a qui comprennent, il y en a qui sont en colère, il y en a qui, qui s'en foutent. Donc, j'étudie un peu la, la, la gamme des, 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 euh, des réactions possibles. Oui, puis aussi, c'est très habile parce que c'est vu de la lorgnette d'un enfant. Euh... Ouais, oui, oui. Un peu cette idée que Schulz avait avec Peanuts pendant 50 ans de parler de la société dans laquelle il vivait. Mais de la perspective d'un enfant, donc tout à coup, ça dédouane, puis ça évite de tomber justement dans des pièges où là, on, pourrait, on aurait pu te taxer. Euh... Oui, ce qui. Euh, Bien, de. de de. Ouais, de, de parce de que plein de oui, oui, voilà, parce que c'est un sujet quand même délicat. Est-ce que tu oui. penses qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, est-ce que tu penses que Burkett pourrait se faire encore tel quel euh, Moi, c'est sûr que je, je, je ne me pas. J'essaierai pas ça. Sur... Non. Nos jours, là, non. C'est difficile. C'est fou, c'est dix ans à peine, hein? Ben, c'est à peine dix ans, mais en même temps, tu sais, je pense que j'ai été quand même, tu sais, j'étais soft, là. C'est pas. Euh... Euh... Je pense que ce qui m'a aidé aussi, ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai pas essayé de me mettre dans la peau de musulmans. J'ai pas essayé de... Ouais. De, 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 de leur faire dire des choses qui... qui auraient été probablement à côté de la coche, tu sais. Là, ça reste quand même un truc. Euh... Ça reste un truc très. Euh... Occidentale. Euh, en fait, c'est de l'appropriation culturelle que le père fait. Ouais. Euh, pur, et, pur et dur, puis c'est assumé aussi. C'est présenté comme étant ça. Donc, le, le fait que ça soit assumé, je pense que ça aide aussi à. À voir que, bon, c'est pas à prendre au premier degré. Et Burkett, après les deux albums publiés, a connu une seconde vie justement avec l'ONF. Oui, oui. Il euh... euh, y, y a eu quoi, une vingtaine Il y a eu de capsules 20 capsules, 20, 20, capsules, 20, 20 épisodes. Oui, ouais, donc en 2012. Donc déjà oui. là, euh, ouais, déjà là, les, les mentalités, est-ce qu'elles avaient un peu évolué de ce côté-là que, Quelle a été la réception de Burkett en ligne versus l'album, par exemple Ça euh, ça a bien été aussi. Euh, euh, je ne sais pas. Moi, Je ne peux pas dire que j'ai eu de, 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 de fortes réactions là, par rapport à Burkett, que ce soit en livre ou en ligne. Euh, ça, ça, a bien, ça a bien passé dans, dans tous les cas. Il euh, y, y a eu une madame à un moment donné sur un, un obscur recoin de Facebook qui, euh, qui, 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 a, qui a dit à un moment donné, euh, Parce que ça avait été repris par Tout.tv. Tout.tv l'avait mis en, ouais. en vedette. Puis qu'elle avait écrit, genre, ah ben, on sait ben, Radio-Canada, euh, <laughs> ils sont pour ça, blablabla, tu sais. Ouais. Puis, comme... puis là, tout le monde après dit ouais, mais là, écoutez-la, là, puis vous allez voir que c'est pas, pas ça non plus, c'est pas ça le propos, c'est pas ça sais. » Oui, mais les madames ouais. sur Internet. Ben même, oui, Francis. mais je sais bien. Il y en a quelques-unes, hein? Il y en a quelques-unes. <laughs> <laughs> Alors, Burquette, donc, je le disais plus tôt, euh, ce fut ton entrée dans le 9e art. Euh, donc, Burkett a agi à titre d'auteur seul, ouais. donc euh, en solo. D'ailleurs, ça, c'est une particularité euh, euh, dans, dans ta carrière qui est de moins en moins courte. <laughs> qui achève. Non, 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 non Dieu merci. Euh, non, non, j'espère bien qu'elle achève pas. Euh, mais donc, Francis, tu as euh, tant travaillé en solo qu'en collaboration. Dans tes collaborations, tu as parfois, as généralement agi à titre d'illustrateur, mais tu as aussi agi à titre de scénariste. Ouais. Donc, euh, donc, la bande dessinée, elle t'intéresse à plusieurs niveaux, donc. Oui, oui, à tous les niveaux. Euh, puis aussi, l'idée de la collaboration. Ça, je pense, c'est de quoi me vient vraiment de l'animation. Euh, quand on me demande c'est quoi l'influence sur ouais. ton travail, euh, en animation, t'as quasiment pas le choix. En cinéma, t'as quasiment pas le choix de, le travail de, 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 colla de collaborer ouais. à un moment ou un autre avec quelqu'un. Euh, puis tu te rends compte que tu te rends compte qu'à un moment donné, la création, c'est tant ce que tu as dans la tête que tu veux mettre sur le, sur le papier ou à l'écran. C'est tout le processus qui s'ensuit. Puis c'est toutes les influences que tu peux avoir euh, avec justement des, des collaborateurs. Puis moi, ça, c'est quoi que j'ai trouvé bien, bien précieux quand j'ai commencé à faire de l'animation, de me rendre compte Hein wow, est-ce que j'aurais fait ça par moi-même tout seul de cette façon-là? Non. Jamais, donc c'est confrontant dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ça fait bouger les choses. Exactement. Puis euh, ça t'amène justement où tu n'aurais pas pensé y aller. Euh, donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a qui, qui beaucoup marqué. Puis que, euh, que quand je me suis plus lancé dans la bande dessinée, ben j'avais cette envie-là de collaboration me restait aussi. Parce que c'est le fun de travailler, faire son, son livre au complet, puis penser à ses textes, faire ses dessins. C'est le fun aussi. Mais avoir des surprises, c'est un feeling bien différent, puis qui est très euh, gratifiant, je trouve. Surtout que scénariste, j'aime un peu plus être scénariste que dessinateur. Ah oui? Un peu. Genre, mettons, euh, tu sais, pas beaucoup plus, mais un peu. Parce que justement, la, la notion de surprise est vraiment présente tu, tu écris ton texte tu penses un <laughs> peu comment ouais. ça ça s'en va t'envoies ça puis là ça te revient puis wow, t'as barouette ben ce fut le code de Motel Galactique, ben, motel critique, en... qui... <laughs> puis c'est ben, puis je veux dire, en plus, avec Pierre, c'était le fun, avec Pierre Bouchard, ouais. parce que lui, il rajoutait une couche de niaiserie, <laughs> tu sais. Puis il sait, là, il sait que je le dis de même, puis on, on s'entend là-dessus, là. là. Tu sais, euh... <laughs> il me pense souvent, tu sais, dans, dans Dignes et Dung, là, le film, à un moment donné, ouais. tu Raymond mon Bouchard qui dit à Dung, tu vois là, ce qui est drôle, c'est les petites niaiseries que tu rajoutes, <laughs> c'est un peu ça, l'idée le... <laughs> avec Motel Galactique. Mais mais en même temps, c'est que moi, ça me... Puis avec Pierre, je ne donnais pas d'indications ou très peu. Je ne disais pas, ben case 1, il se passe ci, case 2, il se passe ça. Euh, plus ça, plus le, le, on avançait dans le triptyque, plus j'étais un peu plus précis. Mais quand même, bien souvent, il faisait ce qu'il voulait avec mes indications. Ce qui fait que moi, j'avais toujours euh, comme une page que je n'avais jamais vue de ma vie. Donc, ça, c'était bien le fun. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler sur Montel Galactique pour ça. Euh, avec Valmo euh, Val pour Le Seigneur ouais. de Saint-Roch euh, elle, elle, elle souhaitait que je sois quand même plus directif puis euh, je l'ai été mais même à ça je veux dire t'as de quoi, as de, quoi écris ton, as de quoi dans la tête t'écris ton scénario tu, tu l'envoies puis quand tu, tu reviens puis tu vois tout le travail qui a été fait euh, Puis surtout, euh, Valmo, c'est une très bonne dessinatrice. Et c'était son premier album. Et, hein. et c'était son premier livre. Ouais. Donc, euh, de voir ça, c'était super touchant, super émouvant. Puis, elle aussi, elle, elle pouvait me rajouter des, euh, des expressions, des trucs que je n'avais pas forcément réfléchi. Donc, euh, ce côté-là de la surprise, c'est de quoi qui, que je trouve bien ben, euh, ben plaisant dans ce métier-là. Une autre chose aussi qui marque. Euh qui marque ton œuvre, c'est euh, cette envie, cette idée-là d'explorer euh, avec le médium. Et je pense entre autres à La guerre des arts, mmh. parue euh, chez Papa, mais aussi Les premiers aviateurs, oui. euh, co-réalisés avec Alexandre Fontaine-Rousseau, où là, tout à coup, tu, euh, tu quittes le cadre classique, si on veut, <laughs> dans une certaine oui. mesure, <laughs> pour euh, expérimenter. Donc, euh, dans ces deux albums, euh, c'est vraiment un exercice de style où tu reprends où tu donc euh, tu racontes une histoire avec une banque très très euh, mince euh, oui, d'illustrations, très limitée ouais. limité. on parle d'une quinzaine ou une vingtaine euh, dix, dix images dans le cas de la guerre des arts ouais puis euh, je pense peut être une vingtaine là, pour les premiers aviateurs. Première... Ouais. alors là à ce moment là euh, pour quelqu'un qui pensait faire un album de bande dessinée Là tout à coup, euh, tu ouais, t'es embarqué ouais, ouais. dans des dans des projets parce que c'est assez ambitieux. C'est c'est un, un travail. Euh... Corrige-moi si je me trompe, mais ce genre de travail-là, ça me fait penser à de la mathématique en hein, quelque part ou de l'architecture. Il y a quelque chose de euh, ouais, ouais, ouais. Dans, dans le dans le pacing euh, qui, ou dans la façon de raconter qui est complètement différente. Ouais, euh, je comprends. Je, euh ça je te dirais que c'est l'étape euh, la deuxième étape okay. je te dirais la étape première plus, étape plus mathématique c'est la spontanéité euh, <laughs> okay. parce que je me tu je venais de faire trois motels galactiques d'écrire trois motels galactiques euh, en essayant d'être aussi spontané à l'écrit que Pierre Bouchard peut l'être au dessin et pour ceux qui n'ont jamais vu de Pierre Bouchard, dites-vous que c'est très spontané. Oh oui, c'est très <laughs> éclaté. hein. Ouais. Puis, moi, j'avais envie d'avoir de, de, un peu cette spontanéité-là, parce que même écrire des strips, là, je sortais de Burkett, ben il faut quand même que tu t'assoies, tu réfléchis. Puis, bon, il y a quand même un, un casse-tête, là, assez. Euh... Oui, ben c'est un format qui est contraignant, le format qui est le, très le strip, contraignant, ouais. exactement. Ouais. Euh, ce qui fait que là, j'avais envie d'écrire mes affaires, mais de pouvoir quand même garder cette spontanéité-là. Fait que c'est un peu comme ça que j'en suis venu avec cette, cette conclusion-là, de dire OK, ben je vais faire juste 10 dessins, mais un dessin, je vais, je vais le copier-coller autant que je veux, puis je vais changer une fois de temps en temps pour donner du rythme. Puis, j ai, j ai, en fait, je l'ai créé dans, un, dans InDesign, qui est un logiciel ouais. de montage, euh, de, de mise en page, pardon. Ouais. Euh, donc, je mettais une image, une autre image, j'écrivais le texte à l'ordinateur, l'autre. L'autre case d'après, j'écrivais le texte direct à la machine. C'est un truc qui s'est écrit quand même assez rapidement. Oh oui. ouais, ouais. Mais euh, un coup se fait, après, ben c'est sûr que j'ai tout revisé. Puis là, je me suis dit, bon, OK, euh, tel joke est bonne, mais est-ce que je ne devrais pas laisser un silence Est-ce que j'aurais laissé une case de silence Deux cases de silence Trois cases de silence Non, deux cases de silence. Fait que ça, il y, y a eu cet, cet aspect-là, cette réflexion-là. Le travail de rythmique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais puis, puis c'est ça la bande dessinée, c'est du rythme. Oui. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai aimé faire avec, avec ces deux livres-là. Et surtout en comédie. Euh, oui. Euh, oui, oui, oui. Évidemment, le, le rythme est un ingrédient primordial. Je, je serais curieux d'essayer de faire un truc plus sérieux avec <laughs> ce, cette méthode-là, mais, euh, mais euh, watch out. Là. Je ne suis pas sûr que. Il faudrait que je sois vraiment bon. <rire> <rire> euh, une chose est sûre, c'est qu'au euh, niveau de la production québécoise, il y avait somme toute très peu d'auteurs qui avaient expérimenté euh, le médium de cette manière-là. Je pense évidemment à Jean-Paul Aide avec ouais. euh, Jérôme Bigrat, entre autres choses. Eric euh, Asselin aussi, euh, Lefthand, Oui, euh, avec, moi, avec Morlac. Euh, oui, avec Morlac, qui est ouais. formidable aussi, qui est un exercice formel assez impressionnant. Euh, mais mais l'expérimentation dans la, dans la culture québécoise, la bande dessinée, ce n'est pas quelque chose qui est très, très présent euh... Ah, je sais pas. Moi, quand j'ai commencé quand je, faisais, quand je suivais mes cours justement au secondaire, ouais. dans une école de loisirs, qui s'appelle les Ateliers Imagine, euh, assez vite, ben assez vite, euh, à partir de la troisième année, je dirais, j'ai commencé à être mis en contact avec tout ce qui était BD underground un peu et BD euh, justement expérimental. Québécoise. Québécoise. Euh, même des trucs, même Paul Bordelot, il a fait des trucs. Euh, Super bizarre. Ben son euh... pizzaman. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu son, son euh, pizzaman? pizzaman? Euh, ouais. Non, lui, je l'ai pas vu. C'était assez éclaté, ça. Mais il avait fait un truc sur du papier calque, c'est super beau, c'est une histoire un peu, un peu tordue. Euh, c'est sûr à... que l'expérimentation au niveau de l'underground euh, existe, oh ouais. existe. Existe. Le problème de l'underground, c'est que c'est rarement accessible, c'est ça. Ouais. Ben, oui, c'est vrai, c'est sûr. Puis, OK, je comprends plus le, le ouais, sens. De mais ta ceci question. dit, toi, ah, okay. au niveau de l'underground, donc il y avait du Paul Bordelot, il y avait. Euh, ben. Y avait-tu tu... du Richard Suicide, il y avait-tu du Siris? Parce que Siris ben, aussi s'amuse oui, avec la planche oui, oui. beaucoup. Mais ben, depuis longtemps. C'est tous des, des, des trucs, justement, que, que j'ai fini par. qui ont, qui ont continué de m'intéresser, puis que j'ai découvert un peu par après. Mais, euh, mais, mais justement, qui m'ont montré que. Euh, à quel point que la bande dessinée, ça peut être toutes sortes de choses, et ouais. qu'il y a toutes sortes de choses qui se font au Québec, tu sais. Donc, euh... Oui, parce qu'elle est riche, elle est plurielle, notre bande dessinée. Oui, c'est euh, ça. Longtemps, le problème a été la diffusion. Quand on regarde oui, ça. la production des années 70, 80, même 90, Donc, 90. dans une certaine mesure, euh, la ville, ouais. Ouais, il s'est fait de très, très belles choses, mais euh, c'est sûr que quand on pense à la bande dessinée expérimentale, on pense plus au mouvement, bon, évidemment, avant l'ouvroir de la bande dessinée ouais. potentielle. Il y a eu quand même, dans les années 70, Fred, avec sa série Philemon. Là, on était oui, carrément oui, oui. dans de la, ben, la, oui. la méta-bande du collage, ben oui, tout dans à fait. toutes sortes de, de, de trucs, tu sais. Même fait. Gottlieb. Euh, Gottlieb aussi, moi, j'en pense ouais. souvent à la, la, la double penche où il, il essaye de, de, de parler de la girafe. Oui. Professeur Burp essaie de, de parler de la girafe, puis est incapable. Gottlieb est incapable de mettre la, la girafe au complet. Fait que tu es obligé de prendre trois, quatre cases, puis ça devient ouais. le bordel, puis... T'sais, pour moi, c'en est, ça aussi, de l'expérimentation. D'ailleurs, est-ce que c'est une source d'inspiration, ça, Gotham, pour toi? Ah oui, oui, assez, ouais. euh, assez majeur. Là, parce que justement, c'était un de ceux qui qui, qui faisait, autre... on savait qu'il faisait de la bande dessinée. Il se cachait pas sur le fait qu'il faisait de la bande dessinée. Ouais. Il dit, ah, je vais vous raconter de quoi, mais là, on est dans une bande dessinée, puis bon. Euh, puis il jouait beaucoup avec ça. Fait que moi. Ça, c'est quoi qui m'a beaucoup inspiré? Puis ce qui m'a beaucoup inspiré de Gottlieb aussi, c'est que contrairement mettons, à, à Gaston Lagaffe ou euh, à beaucoup de ce qu'il faisait dans le franco-belge à l'époque, euh, je, trouve, je trouve que Gottlieb, il ne se limitait pas à avoir son gag en fin de case. Moi, j'aimais aim, bien Gaston, tout ça, c'était super, Gaston. Mais souvent, quand je tournais la page, j'avais comme déjà un, un bref coup d'œil de la dernière case fait que là tu lis l'histoire puis tu dis « ah ouais mais là on sait qu'il s'en va vers ça Ah, c'est ça oui la fameuse chute là. ouais c'est ça fait ouais. que, juste à cause de la façon que tu tournes les pages des fois t'as déjà du coup d'œil que t'as. je trouvais que ça déjà ça te vendait le punch alors que Gotlib tu as des blagues tout le long tout le long là dans chaque case c'est rempli de gags que ce soit au niveau du, du texte ou du visuel donc euh, ça c'est de quoi que que j'ai trouvé OK ouais ça c'est c'est autre chose. Fait que c'est un peu, tu sais, avec Motel Galactique pis la guerre des arts, il y, y a un peu de cet esprit-là. Ah oui, c'est totalement appliqué, même euh, dans les premiers aviateurs. Euh, oui, je veux dire, au niveau oui, du oui. dialogue, c'est complètement débile. Complètement. <laughs> euh, oui. Et c'est pleinement assumé, et c'est ça oui. qui fait que c'est si drôle, en fait. C'est ça. Ah oui. euh, parce qu'il faut le dire. Tout ton début de carrière, ben en fait, une grande partie de ta bibliographie, elle est orientée vers la comédie. Oui, oui. C'est un genre dans lequel, euh, non seulement tu excelles, mais donc forcément, tu, tu y es confortable. Oui. Et t'as et, et expérimenté aussi au fil des albums, euh, t'as beaucoup exploré différents types de comédie aussi. Euh, et Par exemple, euh, Salomé et les hommes en noir, euh, on revient euh, dans un rapport à l'enfance et on revient aussi dans une thématique un peu à la burquette. Oui. Et c'est toujours et, et encore là, c'est fait avec. Euh, dans ce cas-ci, c'était une collaboration. Oui. Euh, tu étais illustrateur, euh, mais encore là, on est dans un rapport euh, intelligent. On est dans des nuances aussi euh, au niveau de la comédie, euh, mais aussi au niveau de l'émotion, parce que euh, dans Salomé les Hommes en Noir, il y a quand il y même a. Oui, il, y a, oui. il, y a, il y a quand même une, une charge émotive aussi. Oui, euh, oui, c'est ouais, la première fois que m'essayé là, je pense. Ma théorie, c'est que ça t'a permis de te propulser vers la petite Russie. Euh, c'est oui, sûrement, sûrement que ça que ça a pu jouer. Euh... Surtout les portions carnets aussi. Euh, ouais. Dans Salomé, les hommes en noir, il y avait une portion dans l'histoire où tu ajoutais des pages de carnets. De... Oui. Et il y a quelque chose euh, de profondément intime et de quelque chose de très fébrile aussi dans le trait qui se dégageait de ça. Est-ce que c'était est l'effet recherché euh... Ben, écoute, je, je vais être honnête, je vais dire non. Okay. Pour ce qui est du côté in intime et fébrile, mais c'est vrai que ça, c'est vrai que ça peut donner ça, parce que euh, parce que je, je veux, veux pas, j'étais là, dans. mettons, sur. Sur le coin d'une rue puis j'essaie d'attraper de croquer des, des, des gens que je voyais ou quand je suis allé visiter une synagogue ou une euh, j'ai' euh, assisté à une cérémonie du shabbat ben tu d'attraper tout ça tu as conscience de, de un peu de, de as conscience que c'est pas tout le monde qui a accès un peu mmh. à ces univers là euh, fait prendons quelque chose qui, qui transparaît dans le dessin, parce que le, le dessin est fait de façon très rapide, très, très rapide. Puis, euh, puis les petites notes que je peux mettre qui peuvent être rigolotes, mais des fois sont tout simplement informatives. Mais euh, ça, ça, ça se peut que ça... C'est vrai que ça donne un truc un peu intime, un peu... Euh, il, y ouais. de, de direct, hein? il y a quelque chose de ouais, ouais, ouais. direct, il y a quelque chose dans le carnet, l'effet, c'est qu'il y a quelque chose de, 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 de tangible, le fait de l'exécution qui est jetée, on est directement dans l'émotion, on est directement dans la fibrillité, il y a quelque chose de très euh, intime dans le Oui, Mais, ouais, mais c'est pour ça que j'aime ça, faire ça, je pense. Je ne suis pas très à l'aise avec le dessin d'observation, euh, surtout d'après modèle, là, où euh, bon, tu as euh, ouais. 15 secondes, 20 secondes, une minute pour dessiner euh, quelqu'un, euh, alors que d'être dans une situation et d'essayer de capter des moments de de, de capter euh, sais, juste euh, ah tiens il euh, y, y a un couple là euh, euh, qui tienne une espèce de grande de, de grande fleur je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire ok j'essaie de l'attraper tu sais fait que le, le fait d'aller d'aller vite de, de pas faire des dessins extraordinaires là dans le sens c'est pas c'est pas euh, virtuose là mais qu'on soit capable de reconnaître la figure qui qui tient quelque chose je pense qu'on sent Probablement cette espèce de volonté de, 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 de capturer un moment puis de le rendre. Puis, ah, ok, ouais, est... Je, je sais pas. Je... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement, dans un prochain projet, t'intéresser euh... De travailler plus l'aspect le Ouais, j'aimerais ça. Il faudrait juste que j'arrive à le pousser une petite affaire, une petite coche de plus. Parce que là, je trouve que c'est très, très croquis. Puis, euh, c'est juste que j'en ai, ai revu dernièrement, tu sais. Puis, quand je les sors, je trouve ça le fun, mais par après, je suis comme, ah ouais, c'est <laughs> mais, euh... ouais. mais ça, euh, la grande majorité mmh. des dessinateurs ont toujours ça. Oui, non, c'est Mais euh, Mais éventuellement, il y, y a un projet que j'ai en tête que j'aimerais ça mélanger, tu sais, avoir un, un aspect plus proche du croquis. Ça, ça okay. c'est sûr. Là. Parce que dans ton plus récent livre qui est... Francis, je le dirige jamais assez. <laughs> c'est un album extraordinaire. Ouais. Euh, la petite Russie qui vient de paraître aux éditions Papa, et, et c'est l'antithèse de ce dont on parle présentement. C'est-à-dire que là, on est très, très loin du dessin jeté, on est très, très loin de l'urgence. Au contraire, là, il y a un véritable travail historique, il y a un travail de découpage. Rien n'est laissé au hasard dans cet album-là. Euh, c'est un album extraordinaire à plusieurs niveaux. C'est un album qui parle de nous. Et ça, c'est une chose euh, que je trouve très, très plaisante dans la bande dessinée québécoise, c'est que depuis quelques années, la bande dessinée s'ouvre lentement, mais sûrement, à l'histoire du Québec. Mm. Euh, et là, les, les cas de figure, les, les exemples, on pense à la femme aux cartes postales de Jean-Paul Aide, mais aussi, on peut aussi parler du retour de l'Iroquois, ouais. euh, paru euh, aux éditions Triple de Louis Rémillard. Euh, la bande euh, bon 1642 le diptyque mmh. donc bref quatre euh, et 1792 euh, oui. la bande dessinée de l'Assemblée nationale qui est un travail formidable qui est un travail impeccable donc la petite Russie là on est vraiment dans le terreau euh, historique et ça c'était quelque chose d'inédit euh, dans ta bibliographie c'est-à-dire que euh, on était plus dans euh, la comédie euh, tu as exploré euh, mais aussi différentes thématiques, que ce soit sociale, que ce soit politique d'une certaine mmh. mesure, ou, ou carrément dans l'absurde avec Montel Galactique. Et là, tu débarques avec La Petite Russie, qui est un récit historique qui raconte donc l'histoire de la fondation d'un village en Abitibi qui s'appelle la Guyane. Oui. Mais tu as un rapport très, très personnel. Oui, parce que euh, ce sont mes grands-parents qui ont, qui ont participé à la fondation euh, du village. Euh... Et c'est ce que l'album raconte. Oui, exactement. Avant d'aller plus en détail dans l'album, est-ce que tu sentais qu'au-delà de, du poids historique, il y avait aussi, est-ce qu'il y avait aussi un poids familial Est-ce que tu sentais que tu devais, euh, tu devais répondre aussi euh, du fait historique familial Ben, euh, quand même, parce que euh, mes grands-parents ne, ne, ne sont, sont décédés avant que j'ai pu euh, vraiment commencer le livre, fait que j'ai pas pu vraiment leur poser de questions à eux. Euh, personnellement, il a fallu que que je consulte euh, beaucoup mes mes oncles, mes tantes, mes parents, mon père, euh, puis il y a ma grande tante Yolande qui est un des personnages ouais. du du livre, qui elle est toujours en vie, qui m'ont parlé de de cette époque là. Euh, donc c'est sûr que à un moment donné, tu veux bien rendre les choses, tu veux tu veux faire honneur à, à tout ce qui t'a été confié comme comme histoire, mais de l'autre côté tu... Il faut, faut quand même que, que je fasse ce que j'ai à faire, ouais. qui est de raconter une histoire, de la raconter du mieux que je peux. Puis, euh, puis surtout, considérant toute l'ambition, j'ai envie de dire, qu'il y, qu y a dans ce livre-là, de raconter l'histoire d'un couple, d'un village, et, et même du, du Québec au complet, parce que le Québec change beaucoup entre la fin des années 40 et la fin des années 60. Euh, donc, oui, il y avait, je me sentais une certaine responsabilité, mais à laquelle je n'essayais pas de penser pendant que je le faisais. Euh, C'est plus en ce moment là, que, <laughs> que, que là, j'attends un peu les, certaines réactions. Les, les premières que j'ai eues sont, sont, sont très bonnes. Les, euh, la famille a l'air d'être bien contente, bien fière, tout ça. Euh, mais il y a encore des gens là, que j'ai hâte que, qui, qui me disent leur, leur, leur avis. Ton grand-père avait écrit un ouvrage oui, relatant ça. Et, et ça t'a servi aussi. Euh... Ça a été pas mal à la base de. De l'histoire du scénario, je te dirais, dans la mesure où. Euh... Pardon, où je. je... L'aspect. C'est que mon grand-père, dans son livre, euh, qui s'appelle Guyenne, 20 ans sous le régime coopératif et après, euh, relatait un peu. C'était quasiment un essai. Donc, il relatait, mettons, le côté social, le côté euh, familial, le côté euh, économique, euh, le côté euh, culturel, on va dire. Du village. Donc, il, il découpait ça comme ça dans son livre. Ce qui fait que moi, ça ne faisait pas une matière comme telle de récit tant que ça. Ouais. Mais en lisant, quand même, il se dégage, il se dégage une espèce d'histoire générale euh, dans, la, dans laquelle j'ai pigé puis que j'ai choisi un peu les, les moments clés. Là. Donc, tu as fait des recherches, forcément. Il ouais. euh, y a Frédéric Lemieux, un historien de l'Assemblée nationale qui a notamment euh, collaboré à l'ouvrage. Et euh, il y a aussi Michel Giguère, qui était euh, à la tête du projet 1792, que oui. j'ai mentionné un peu plus tôt, euh, qui, lui, vraiment, est un... Michel Giguère, pour le bénéfice des auditeurs, c'est un spécialiste de la bande dessinée mmh. euh, qui donne des conférences dans la Ville de Québec, qui enseigne aussi le médium, euh, qui est un chic type au-delà de tout ça aussi. En plus. <rire> <rire> Ce qui est non négligeable. Donc, euh, ces deux collaborateurs-là t'ont vraiment épaulé euh, oui. dans le travail. Puis, pour moi, c'était clair dès le début que euh, je voulais avoir ces, euh, ces appuis-là euh, pour, euh, pour faire euh, pour raconter cette histoire-là. Euh, dans le cas de, de, de Frédéric Lemieux, l'historien, euh, c'est parce que, ben justement, je veux ben, C'est sûr que je fais mes recherches. Euh, J'essaie d'être le plus euh, proche possible. Euh, mais d'un côté. Euh, moi à un moment donné en, en créant je ne veux pas devenir fou non plus puis à me dire euh, ouais mais là une fourchette de 1948 là euh, ça ressemble à quoi puis tu sais je me suis rendu compte à quel point que ça pouvait vite tu pouvais vite devenir complètement cinglé à essayer de reproduire puis je pense qu'à un moment donné c'est pas ça c'est pas pas tant ça qui est important cette espèce de reproductibilité là de, ouais. de, de, de ce que ça pouvait être euh, je pense que dans les grandes lignes, faut, faut, il oui, faut, faut que tu te sentes dans l'ambiance, même moment donné, euh, il ne euh, faut pas que ça devienne aliénant non plus. Non, parce qu'il y a le danger de la trajectoire du récit. Là. Oui, c'est ça. faut ouais. pas que tu perdes de vue, que tu as une histoire à raconter. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, il ne faut pas trop dessiner ou dire de niaiseries. Puis ouais. ça, ben, Frédéric m'a aidé à, à ce niveau-là. Des fois, il m'a aidé sur, à, au niveau visuel. Des fois, il m'a dit « Ah, cette, ces casquettes-là, euh, ça sont arrivés plus tard, ça sont arrivés plus dans les années 70, euh, des genres de casquettes à palette, là, genre ouais. euh, casquette de baseball, tu sais, euh, que je mettais genre en 1950. Tu « sais, ah, là, t'es pas dedans. » Ou à un moment donné, dans la façon que je, je faisais parler un de mes curés, il disait ah, « ben, le curé, je suis pas sûr qu'il serait allé dans de cette façon-là. Tu » sais. Puis il aurait parlé aussi de tel aspect, l'aspect, mettons, euh, léguer, euh, léguer un bien à ses enfants, léguer la terre. Puis bon. Ça, c'est vrai que c'est quoi que j'avais comme pas tant euh, envisagé dans, dès le départ, mais quand il me l'a dit, je dis, Ben oui, c'est bien vrai, tu sais, je okay. sais ça. Puis euh, Michel, c'était plus au niveau narratif, dans le sens où euh, j'avais déjà déjà demandé conseil sur Burkett pour, pour qu'il revise un peu mon manuscrit, puis qu'il me donne son, son avis. Mais là, je voulais vraiment qu'il, que ce ne soit pas juste un survol, puis des commentaires euh, généraux, je voulais vraiment qu'on travaille quasiment planche par planche euh, le, 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 le scénario, puis le découpage. Fait qu'à chaque étape de découpage, je lui envoyais, il me ramenait ça avec des, 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 des pages et des pages noircies de commentaires et tout ça. Puis, euh, évidemment, j'en ai pris, j'en ai laissé. Ouais. Au, final, euh, au final, ça restait mes décisions. Puis c'est ça que j'aime de travailler avec quelqu'un comme ça, avec quelqu'un qui a euh, un genre d'œil extérieur. C'est que, c'est qu'à quelque part, c'est que ça te permet un peu de valider tes choix. C'est-à-dire que ça fait qu'il n'y a, a aucun choix que tu as fait qui n'a pas été réfléchi. Ouais. Parce qu'il questionne, il, il va questionner plusieurs, puis des fois, c'est... Euh, ben non, là, Michel... Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est bien mieux que ton commentaire que tu me fais. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il, il, met, il met vraiment le doigt sur des trucs euh, où je fais, ouais, bon, OK. Euh, Puis d'ailleurs, c'est lui qui, qui m'a suggéré fortement de prendre le, le titre La Petite Russie. Moi, j'avais un autre titre en tête. Ah bon, d'accord. Mais c'est vrai que La Petite Russie, ça marche super bien. Puis aussi, au départ, euh, moi, je voulais faire un truc. Je voulais que ça soit 10 pages d'arbres. De forêt uniquement muette, complètement, 10 pages. OK. Puis. Pourquoi? Ben, je voulais. Parce que là, juste pour, pour les, les, les auditeurs, euh, là, c'est quand même 10 pages de forêt, mais ouais. intercalées de réflexion de, de, du personnage qui, qui introduit un peu, qui, qui met la, la, la table, si on veut, de, historiquement, de qu'est-ce qui a mené à la fondation du village, qui parle de, de, du plan Vautrin, puis bon, de, de, de la crise de 29 puis bon, tu tout ça. Puis, euh, mais au départ, moi, je voulais mettre les gens dans le bain euh, de la forêt puis que ça devienne quasi, limite oppressant et, et puis que ça, ça devienne euh, limite plate à lire. Tu sais, Mon Dieu, pages. mais c'est quasiment l'idée de Germinal d'Émile de, de Zola. C'est-à-dire que Germinal, au début il, euh, de Germinal, euh, Zola décrit l'intérieur oui, d'une oui. grotte pendant dix pages. Oui, oui, oui. <laughs> Donc, euh, oui. Est, est -ce, ça... Spontanément, ça me fait penser. Oui, ça me fait penser. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Mais euh... puis après, ben, Michel m'a dit "Ben écoute, Francis, c'est comme tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire avec cette bande dessinée-là Est-ce que tu veux faire un, un truc euh, plutôt conceptuel où tu te permets ce genre de d'envoler de... long, on va dire, euh... ou où... tu essaies d'accrocher de... ton lecteur t'sais? Où tu essayes de, 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 de donner une chance à ton lecteur pour que ça lui tente de lire ton livre. Tu sais. <rire> <rire> puis, puis effectivement, la question s'est posée. Puis quand j'ai eu l'idée d'intégrer de, de, cette espèce de, 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 de présentation euh, historique dans ces dix pages-là, je me dis Ah, mais oui, mais là, ça marche bien. Là, là c'est le fun parce que, bon, justement, on s'accroche quand même à quelque chose. Puis l'idée de, de la forêt oppressante demeure ouais. parce qu'il y a quand même dix pages. Puis à 9 cases dans chaque page, puis des fois il va y avoir trois bandes, 3 cases maximum, ça va être du texte. Mais le reste, c'est juste de la forêt. T'sais. Et c'est quand même audacieux parce que ton album, euh, oui, euh, s'adresse à un lectorat qui a déjà une sensibilité au 9e art. Mais cet album-là va forcément circuler, va passer entre les mains de lecteurs qui sont pas habitués au ouais. 9e art. Et. Euh, parce que souvent, bon, les gens qui, qui ont lu de la bande dessinée depuis très longtemps, qui ont lu la dernière fois du Scramustache ou du... Ou du <laughs> les Schtroumpfs, par exemple. Euh, bon, évidemment, ils vont tomber dans la petite Russie. Euh, ou, ou, ou même les lecteurs de Paul, euh, qui, entre deux albums de Paul, attendent de lire le prochain le Paul. Prochain pas, oui. <laughs> euh, tout à coup, c'est quand même une entrée en matière euh, que je trouve audacieuse, cette idée-là d'intercaler... Les entre euh, les réflexions du personnage, mais cette forêt qui est là, parce qu'elle est au cœur, en fait, du récit. Ben oui. Ben oui. Forcément. Et, euh, et c'est très, très réussi. Et, et, Michel, euh, et Michel avait raison. Ah, bien finalement. fait, de... ah, oui. <laughs> ouais, puis puis j'aime bien l'idée qu'au départ, il n'y a que de la forêt, puis petit à petit, on voit un peu l'activité humaine. Ouais. Il y a, il y a, tu, il y a une... à un moment donné, je rajoute plus loin, là, après, il, t'sais, il y a 10 pages d'arbres, mais un peu plus loin, on revient avec les arbres, et hop, oh, ah, tiens, là, on voit quelqu'un qui bûche, ah, encore de la forêt, ah, là, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui enlève l'écorce, ou bon. Puis, à un moment donné, plus ça va, plus moins il, la, la forêt disparaît, tu sais. Mm. Euh, là, c'est que l'activité humaine, que c'est, bon, qu'est-ce qui se passe avec la famille, qu'est-ce qui se passe dans le village, qu'est-ce que, bon. Fait que ça, c'est aussi une façon de faire passer le temps, tout ça, moi, c'est un, un des, des, des aspects que je suis assez content de la petite Russie, dans le sens où euh, j'avais quand même 20, 20, ans, 20, ans, 20, ans, 20 ans. 20 ans? 20 ans? 20 ans. 20 ans à raconter. Puis, euh, je ne voulais pas prendre non plus euh, 800 pages. Là. Donc, il fallait que je fasse passer le temps à m'emmener. Mais il faut que je montre que les gens vieillissent, que ouais. les gens grandissent. Donc, ce qui m'a un peu guidé aussi. C'est un peu la. C'est une inspiration de, je dirais, d'albums de, 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 de photos de famille. À un moment donné, je, suis, je me suis ramassé. Euh, J'avais une, une de mes grand mères qui, qui était décédée. On avait récupéré ces euh, albums photos. Puis j'en ai pris un au hasard. Puis là, je commence à le feuilleter. Puis là, je me rends compte qu'il y a une certaine parenté avec la bande dessinée. Dans oui. la mesure où tu reconnais, tu reconnais les personnages qui reviennent d'une photo à l'autre. Et. Et oui, il change. Oui, parce qu'il y a des ellipses, forcément. Ben, c'est ça, ouais. exactement. Il y a des ellipses. C'est jamais, c'est rarement. La... Il n'y a pas de récit, il y a pas, mais il y a quand même une genre d'histoire qui se dégage dans la mesure où justement, ben, c'est le temps qui passe, c'est la vie qui qui, qui fait ses... ses affaires de vie. T'sais. Mais c'est que tu aussi à profit, parce que c'est un travail rythmique, forcément. C'est ça. Mais on n'est pas dans le genre comédique, même s'il y a des moments mmh. cocasses euh, et des moments drôles dans la petite Russie, mais. Euh, c'est un album que tu n'aurais pas pu faire il y a 10 ans, La Petite Russie. Non, ben c'est pour ça que j'ai attendu aussi. Parce que cette idée-là est venue... est arrivée quand, de faire La Petite Russie? Ben je pense que tout de suite, quand je travaillais sur le premier Burkett, ah oui, hein? Je me disais, ah, à un moment donné, j'aimerais ça raconter l'histoire de mes grands-parents. Puis euh, ça, ça, fait, ça fait vraiment longtemps là, ça, que, que je veux le faire. Là. Et c'est mmh. ton livre le plus... Euh le plus dense à tous les niveaux, là, que ce soit tant au niveau de la pagination qu'au niveau du souffle du récit. Euh, t'as mis combien de temps, à partir du moment où tu t'es attablé euh, à la Petite Russie, t'as mis combien de temps à réaliser cet album-là euh, Je dirais quand même deux ans, ce qui est quand même pas si long. Euh, heureusement, j'ai pu avoir euh, obtenir une bourse pour y travailler, mais euh, le scénario m'a pris peut-être six mois, puis après ça un an et demi pour... Euh, mmh. Le, 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 le dessin comme tel. Là. Donc, ça en fait ton projet euh, le plus étoffé dans le temps. Oui, c'est celui solo, que j'ai passé le, ouais. le plus de temps sur un, sur un livre. Oh, oui. Est-ce que euh, à la lumière... Euh... De, de cette expérience-là, dont tu ressors, euh, la petite Russie, est-ce que ça risque de colorer tes prochains projets? Est-ce que, par exemple, tes prochains projets, tu vas travailler moins dans l'urgence ou publier? Est-ce que tu vas t'enligner plus vers des récits un peu plus fleuves comme ça ou tu as quand même envie de te promener? Ah, oh, j'ai quand même envie de me promener encore un peu. Okay. Comme là, je viens d'embarquer sur La course à l'espace, qui est la, la suite des premiers aviateurs, toujours avec Alexandre Fontaine-Rousseau au scénario. Qui avait fait l'objet d'une exposition. Une exposition au festival, Au musée, festival, euh... au musée des... national ouais. des beaux-arts <laughs> du Québec. Ah, ben, c'est une bonne puis, nouvelle, ça. Euh... <laughs> oui, oui, puis ça fait du bien, là. Ça me fait vraiment du bien. Parce que justement, la petite Russie, tu sais. Euh... Oui, c'est comme mettons La Garde des Arbres, les premiers aviateurs. C'est le fun de faire des livres comme ça, spontanés qui se font vite. Mais justement, ça, ça altère un peu ta perception du travail. <laughs> Parce qu'après, tu avais dans le petit truc-ci, puis Ah, tu... oh, ouais, hein, des dessins différents dans chaque case. Hey, c'est de l'ouvrage. Hein. <laughs> fait que là, je reviens dans un mode plus Ok, là, on fait pas trop de dessins, puis ça va être drôle, puis on va. Oui, le travail est différent, forcément. mais c'est ça, le travail est différent. Ça fait... la, qualité, la qualité demeure, tu sais. Ouais. Euh, mais c'est juste que la nature du travail est très différente. Mais d'avoir goûté justement un travail plus, euh, la connotation plus historique, donc qui demande une autre configuration mmh. dans le travail, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui te donnait envie de euh, refaire l'expérience Ben historique, j'ai quand même trouvé ça difficile, mmh. euh, justement à cause de la, la question de la, de la documentation puis de se dire. Euh, les histoires de de de, de, fourchette de 1948 là mais euh, mais l'idée de faire des récits longs ça ça j'ai d'autres j'ai d'autres idées en tête il y en a au moins un autre que je que je veux que je veux faire euh, ça c'est ça c'est de quoi qui qui va continuer mais euh, mais historique, il euh, faudrait vraiment que j'en vende beaucoup des petits trucs <laughs> pour quand je me dise Ah, ouais, peut-être que je pourrais, euh, je pourrais y retourner. Ben, le livre est encore jeune, euh, oui, oui, oui. il est paru cet automne. Noël arrive en grand pas, c'est un tout ça peut. Une excellente idée, une ah, excellente oui. idée euh, cadeau. cadeau, bien sûr, hein? <laughs> Sans sombrer dans le mercantilisme là, euh... oh, on, peut y aller, là. Bon, on peut y aller, on peut y aller, un petit peu. <laughs> euh... Est-ce que, par exemple, la Petite Russie, parce que pour moi, la Petite Russie, c'est de ces œuvres-là qui, qui me font penser à euh, des œuvres, par exemple, de Michel Tremblay, où on va dans l'infini personnel et forcément on tombe dans l'infini universel. Mmh. Donc, la Petite Russie, par exemple pourrait très bien être traduit... Ça, ça, ça pourrait être traduit dans plusieurs langues. Je suis convaincu que cet album-là, à l'international, pourrait avoir une très, très belle vie. Ah oui, tu penses? Oui, convaincu. Okay. Parce que même si c'est une histoire qui est ancrée euh, euh, dans le Québec des années 40-50, partout dans le monde, il ouais, ouais. euh, y a des endroits qui se sont développés et... et euh, il y a quelque chose qui dépasse l'anecdote dans ton album. On est, pour moi, on est dans, dans ce que Tremblay fait, dans ce que Michel Rabagliati fait aussi avec Paul. L'intime devient l'universel. Ouais, ouais. Et je et je trouve que ton album a cette qualité-là. C'est une qualité euh, qui est assez rare. Euh, donc euh, ce que je souhaiterais aussi au-delà des ventes euh, en français <laughs> de ton album, je, je lui souhaiterais une vie à l'international. Oui. Ben, on est en discussion avec euh, Parpar Press, qui est le, le, le pendant anglophone ouais. de, des éditions Parpar. Euh, je ne je sais, je sais pas où, si on va y aller. Je ne veux pas prendre... Euh, mettre la charrue dans les bœufs, là, comme on dit. Oui. Euh, mais... Euh... Ben, je serais, je, serais curieux. je serais curieux. Déjà, il va, il va aller en France. Ça va déjà être un, un peu un, ah, un oui? test. Euh, ben papa est distribué en France. Oui, maintenant. oui, oui. Donc, donc, euh, donc, euh, donc on... la petite va, 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 va s'y retrouver. Euh, écoute, pour vrai, je l'ai vraiment fait en pensant, en disant je veux faire partager ce pan-là de l'histoire, c'est ce micro phénomène, phénomène historique-là, je veux le partager avec les gens au Québec. Euh, en ayant pensé aussi pour un peu tous les, les nouveaux, les nouveaux québécois, les nouveaux arrivants, qui qui sont pas forcément familiers avec, euh, avec cette, euh, cette histoire-là quand même assez récente. Ouais. Euh, alors que nous, mettons les gens de notre âge, ben, on a tous des grands-parents qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont connu quelque chose qui, qui s'y apparente. Ouais. Mais euh, non, c'est ça, j'ai vraiment fait en pensant... Je veux, je veux le faire pour, pour le Québec, tu Mais ben après, si les, si les autres l'aiment, euh, tant mieux, tu Mais, euh, mais je t'avouerais que j'ai n'ai pas pensé au monde deux secondes. Euh. C'est drôle parce qu'en en, en lisant La Petite Russie, ça m'a fait penser à... Je sais pas si tu as déjà lu, à Essex County, de Jeff Lemire. Ouais, je l'ai pas encore lu. Qui mais est un euh, Ontarien. Oui. C'est très, très différent euh, dans, dans ce que ça raconte, mais... Il y a un lien filial dans, dans l'enracinement, mais en même temps dans le récit qui, autant il est enraciné dans une réalité, autant il s'adresse au plus grand nombre. Oui, ouais. Ben y a, à un moment donné, j'avais vu un, une présentation de Bernard Raymond puis qui disait si tu veux être universel, là, parle de ce qui se passe au coin de ta rue. Puis je, je pense que je pense que c'est vrai. Tu sais, c'est de parler de ce qu'on connaît c'est de parler de de, de ce qu'on ouais, est, de, de qu est, mais je ne ouais, je sais pas. En tout cas. Oui, bah, bah, ce que nous sommes, c'est pluriel de toute façon. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est un pan d'histoire. C'est drôle parce que quand on parle à des gens de la BTB, ils savent très bien où oui. se trouve la Guyane. Oui, euh, oui. Les gens ont longtemps mangé des tomates de Guyane. <laughs> de Guyane. Ouais, de Guyane. Euh, moi, j'ignorais absolument ah, tout euh, de cette histoire-là. La plupart des gens que... Ben, c'est ça qui est fou. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que euh, l'histoire est un terreau riche, c'est qu'on se rend compte que finalement... Euh... Ben, c'est parce qu'il y a comme les grands événements, mais il y a plein de, justement, de, de, des comme ça, tu sais, ouais. qui, qui, qui mériteraient d'être racontés. Là. Ça, c'en est un, mais il y en a combien, tu sais? Euh... Je pense, pense aussi à Philippe Girard qui a fait euh, quelque chose à partir de, de, des journaux de sa grand-mère, euh, la, 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 la mauvaise la fille. La mauvaise fille, oui. Euh, c'est sûr que l'histoire, c'est une source euh, presque inépuisable là, de, de, de récits parce qu'il y a des histoires dans chaque famille. Euh, après, il y a des histoires dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque région. C'est dépendant de la façon que tu le racontes, il y, y, y a du stock. Là sur ton site web et je te cite tu as écrit pour une rare fois dans ma vie j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important en parlant de la petite ouais. russie <laughs> important parce que ça vient euh, parce que ça vient quelque part de ta propre descendance parce que parce que c'est l'histoire du québec euh, l'histoire avec un grand h ben je, je pense que c'est ça je, je suis pas que je suis quelqu'un qui J'essaie de ne pas me vanter trop de, de ce que je fais. De, de... J'ai de la misère à me mettre de l'avant. Même pour la promotion, j'ai une certaine humilité presque maladive. <laughs> mais, ouais. mais je t'avouerais que quand j'ai fini la petite Russie, puis que je l'ai relu, puis euh, j'ai pris conscience un peu de ce que je venais de faire, je me suis dit j'avais une ambition. Puis, je pense que je l'ai rencontré, cette ambition-là. Fait que dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, je pense que du fait d'avoir réussi à parler autant de, de l'histoire d'un couple, puis de parler du village, puis de parler de, du Québec au complet, dans des années qui sont importantes, qui vont annoncer la révolution tranquille, euh, puis je pense que je l'ai bien faite. C'est un peu tout ça qui me fait dire, Crime, je, je, je suis fier, puis je pense que euh, ce livre-là, justement, il est important. Mais tu vois, je le dis, puis je suis pas à l'aise. <laughs> je je m'étais dit, je vais l'assumer, puis, ouais. tu sais, puis je ne l'assume pas encore, mais Crime, c'est quand même le sentiment que j'ai. Tu sais. Ben, écoute, Francis, euh, je, je, je le répète, pour moi, c'est un, un livre qui est important. C'est absolument, c'est assurément le livre de l'année. Et c'est un livre qui aura euh, une belle et longue vie. C'est un travail admirable. Euh, et tu as su attendre le bon moment pour faire cet album-là, euh, ce qui, ce qui, euh, qui t'honore aussi. Puis tu sais, c'est pas le travail de l'artiste, hein, au final, de faire sa propre promotion. Oui, je sais. Mais je... je, je c'est drôle parce que dans mes premiers échanges avec ton éditeur, Luc Bossé, euh, lorsque Luc m'a envoyé le, le PDF, il m'a dit je, « Je pense qu'on tient un livre important. » Et je lui ai juste répondu après la lecture « T'as pas besoin de penser, il est important, ce livre-là. » Alors, vraiment, euh, Francis, félicitations. Merci beaucoup. Et j'espère que ce livre-là va circuler entre le plus grand nombre de mains. Euh, comme je le disais, c'est... C'est un album important, c'est assurément l'album de l'année et c'est et euh, c'est l'album de ta carrière jusqu'à présent. Euh, oui. C'est un album qui démontre euh, ta grande maturité d'auteur euh, et je pense que la première marque de maturité d'un auteur aussi, c'est d'aller au-delà de l'exécution. C'est d'aller euh, chercher des ressources. Et, euh, et, et, et ça a été très, très payant pour ton, ton, pour ton album. Parce qu'au-delà du travail éditorial de Luc Bossé, tu as eu aussi euh, Michel Giguerre, l'historien euh, de l'Assemblée nationale. Donc, euh, donc euh, bravo. Et euh, longue vie à cet album-là. Merci beaucoup. Et longue vie à toi, euh, Francis Véarnet. Et euh, au plaisir de te relire. Euh, bon, avec là, Alexandre Fontaine-Rousseau, on est impatient. Euh, sortie prévue pour. Euh, 2019 pour souligner les 50 ans de la marche sur la Lune. Ah, quand même, d'accord. Donc, on sait que dans moins d'un an. Faux. Euh... Ouais, c'est ça. <laughs> Donc, on ne te retient pas plus longtemps, il faut que tu retournes <rire> travailler. <rire> Francis Dernier, merci beaucoup d'être passé au micro de Vous avez dit BD. Ben, c'est moi qui te remercie. Et euh, merci à tous ceux et celles là, qui, euh, à chaque publication, le nouvel épisode euh, en est. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Et puis, euh, ben voilà, on te libère, on te laisse aller travailler, là, c'est ton prochain album. Merci. Bonne Merci. Journée. Merci.